bonne année, mes chers amis, bonne et heureuse année. Je souhaite que cette nouvelle année vous apporte tout ce dont vous avez besoin, tout ce que vous avez toujours désiré. Je vous souhaite que vos cœurs soient remplis d'amour, de joie, de paix, de lumière également. Alors, commencez cette nouvelle année sur le bon pied. Si vous avez des résolutions, bon, écoutez, les résolutions, souvent, on les a en début d'année, on les oublie par la suite. Ce n'est pas grave. L'important, c'est l'intention. Alors, pour cette nouvelle année, on commence aujourd'hui le 1er janvier avec votre tirage quotidien. Donc, je répète, pour ceux qui n'ont pas eu le temps de les écouter, vous pourrez toujours les consulter un peu plus tard pour avoir des sujets de méditation. Alors, voilà, je vous laisse quelques secondes pour choisir le paquet qui vous interpelle et je ferai la lecture de vos cartes choisies. Donc, pour ceux qui ont choisi le premier paquet en cette journée du 1er janvier, hein, première journée de l'année, bien, vous avez la carte de la tempérance. Alors, elle vient quand même à point, hein. La carte de la tempérance, bien, ça vous appelle justement peut-être dans ce temps de festivité de mettre de l'eau dans votre vin au sens propre, au sens propre et au sens figuré. Alors, pour ceux qui lèvent du coude un peu beaucoup, alors, faites attention, festoyez, mais soyez prudent dans la quantité, hein, faites attention aux excès. Donc, mettez de l'eau dans votre vin. Et aussi, bien, pour commencer l'année, peut-être ce sera une de vos résolutions d'accepter de faire des erreurs dans la vie, hein. Personne n'est parfait et nous sommes tous ici pour vivre des expériences, pour apprendre et pour évoluer. Alors, acceptez de faire des erreurs et d'apprendre de ces erreurs-là. Faites toutes choses avec modération aussi dans votre vie, hein. Non seulement aujourd'hui pour le 1er janvier, mais tout au long de votre vie, essayez de faire les choses avec modération. Donc, c'est une belle carte de la tempérance, hein? La carte de la tempérance est une très, très belle carte. Ça vous amène à l'amitié, la jovialité. C'est une très belle carte. Donc, vous pouvez méditer sur ce sujet, mes chers amis. Mais de mettre de l'eau dans votre vin, d'accepter les erreurs qu'on fait et de faire toutes choses avec modération. Pour ceux qui ont choisi le deuxième paquet, on a la belle carte du chevalier d'épée. Alors, elle aussi, elle tombe à point, hein, parce qu'on est le 1er janvier, on commence une nouvelle année. Et la carte du chevalier d'épée nous parle de quête, nous parle de but à atteindre, hein. Vous voyez, il brandit, là, vous voyez quelque chose, un faisceau lumineux. Alors, il a une quête, ce chevalier. Donc, comme vous, vous avez probablement des objectifs ou des buts à atteindre dans votre vie. Donc, poursuivez toujours cette quête-là, ces buts-là que vous avez. Poursuivez-les et faites tout ce qu'il y a à faire pour y arriver. Ne vous laissez pas distraire par quoi que ce soit. Voyez votre quête devant vous et courez vers elle. D'accord? Et finalement, pour ceux qui ont choisi le troisième paquet, vous avez la carte de la tour ou la maison Dieu. Alors, acceptez aussi l'inattendu dans votre vie, mes chers amis. Travaillez de pair avec elle, avec lui. Donc, il y a des choses qui nous arrivent parfois dans notre vie qui sont inattendues et qui nous forcent à vivre les choses autrement, hein, qui viennent nous déstabiliser un petit peu et ça nous sort de notre zone de confort et ça, c'est bénéfique. Bien souvent, c'est bien bénéfique pour nous. Trop souvent, on vit notre vie sans bouleversement, sans rien qui vient changer notre confort. Donc, c'est bien parfois de vivre des choses qui vont nous ébranler un peu,
pour nous réveiller et pour vivre de nouvelles expériences. Donc, accueillez ces nouvelles expériences-là ou ces changements-là qui se présentent dans votre vie. D'accord? Donc voilà, c'était les messages pour vous pour la journée du 1er janvier. Je vous souhaite encore une fois, mes chers amis, une très, très belle année 2019. Je vous souhaite qu'elle soit remplie de tout ce qui est bon pour vous, de la joie, de la paix, de l'amour et de lumière aussi. Et je vous souhaite aussi d'avoir une quête à poursuivre, mes chers amis, pour 2019. D'accord? Donc, faites attention à vous, prenez soin de vous et festoyez dans l'amour et la joie aujourd'hui. Et on se retrouve demain. Merci pour votre écoute et à demain. Au revoir. Et voilà, c'est une autre année.